déjà entendu certaines réclamations ici à Kolwezi et dans le Lualaba, soit disant que le mausolée qu'on a conçu pour le président, ce n'est pas un bon mausolée, ce n'est pas à sa hauteur et tout ça. Donc, je voulais rassurer l'opinion lualabaise que moi j'étais présent à l'enterrement du président Tiungu. C'était un bon mausolée. On a respecté les normes de la construction. Et c'est joli. Donc d'abord, on a construit avec des matériaux durables. Et puis ensuite, on va clôturer ça. Donc on l'a fait, ce n'est pas encore achevé. On l'a fait et que je pense que d'ici là, on va terminer. Et même la route, ce n'est pas la route là qu'on dit en Swahili Kabulongo, non, non. Là, on a aménagé tout simplement pour que la route soit praticable le jour de l'enterrement. Ce qui a été fait, mais après, c'est tout un projet. On va terminer d'abord le mausolée et puis on va mettre le goudron dans la route et que la route sera très bien accessible. Donc d'ici 3 mois, 4 mois, on va terminer ces projets. Donc on a déjà mis le moyen pour achever bien ces projets. Donc il ne faut pas s'agiter. Ça, c'est la première précision que je voulais donner. La deuxième précision, il y a des gens qui s'agitent, disent que non, non, bon, voilà, l'affaire que, va s'éclater, donc il y aura la division après la mort de Baba. J'ai dit que c'est faux et archi faux. Une affaire, c'est un parti bien structuré et bien organisé. D'abord, actuellement, le président, il est mort, vous sentez qu'il y a du calme, et les jeunes respectent, les mamans respectent bien les structures et tout ça. Donc, c'est-à-dire que les statuts, après la mort du président national, on donne le pouvoir au premier vice-président, celui qui engage le parti, le premier président national, qui s'appelle Longandier. C'est lui qui coordonne tout sur le plan national. Et sur le plan interfédéral donc, du Grand Katanga, il y a le ministre Kitungwa. Donc c'est lui qui gère les partis au quotidien. Et après, donc d'ici deux semaines, au mois d'octobre, on va convoquer un congrès où on va choisir maintenant le président national qui va assumer les affaires du parti sans problème. Et le président est déjà connu. C'est question maintenant d'officialiser lors du congrès. Voilà un peu le président. Donc il ne faut pas avoir de peur que non, il n'a fait quoi s'écarter. Non, non. Nous allons continuer. Nous allons continuer à perpétuer la vision de Baba. Donc l'image de Baba est incarnée en nous. Moi, le président René Lumuna et les autres. Voilà. On va continuer. Le Baba, il est partout. Il est multidimensionnel. Il faut dire que non, non, bon, voilà, il n'a fait que non, non. C'est ça les précisions que je voulais donner.